dans ce que j'ai compris, ou plus justement, dans ce qui m'a été révélé, pour être tout à fait honnête avec moi-même, dans ce que je dis, ce qui m'a été révélé à moi le vent, c'est que j'ai compris que, parce que attention, il y a plusieurs codex dans lesquels tu peux conceptualiser la réalité dans ton espace mental, dans l'espace mental que tu crées. En fait, l'espace mental, c'est juste ton conditionnement, c'est la boîte dans laquelle tu penses. Et donc la boîte dans laquelle tu penses, elle se nourrit des paradigmes, on va dire des petits codes, des composants, tiens, ok, des composants, c'est une alchimie, voilà, tu te nourris du milieu dans lequel tu pousses. En fait, tu sors du ventre de ta mère, ok, bah, tu es dans un ventre, tu sors de cette baleine-là pour se rentrer dans une autre baleine qui est la vie, d'accord, ok, c'est une représentation mentale, je te donne une image. D'accord, je dessine une image, d'accord, mais c'est une simulation, c'est quelque chose qu'on peut programmer dans un programme, ça. C'est des mathématiques, ça. C'est pas des tags, c'est pas des slurs à la Charlie, ça. Non, c'est justement ça le problème, c'est que Charlie, ils sont pas sortis de la cave de Platon, l'allégorie de la caverne, l'homme de cave. Qui reste proche de la terre, ils s'orientent, ils creusent, ça tombe, jusqu'à finir, là où on en est là, jugement, quoi. La trombe, et puis la triade, et puis Sergio Leone, on va refaire le bal à Bruxelles, le triomphe 2. Oui, et puis il y aura 3, parce que c'est toujours 3, mon gars, c'est du tri. D'accord, donc 3 fois 3, 9, ça c'est le chiffre parfait. Non, mais je vais te dire une parenthèse. Donc, Clint Eastwood, ok, dans le rôle de Blondin, oui, Clint Eastwood, dans le rôle de Blondin, il tire sur un. Il fait le bout de voyage, le chemin. Il se sépare avec Toko, Bénédiction Passif et Juan Maria Ramirez, il fait le bout de chemin. Et puis il dit non, c'est ici que ça se sépare, ok, et après il fait là, et puis il finit forcé. Attaché au diable. Eh ben, le diable, lui, il fait le bout de chemin avec toi, mais il t'attache avant de faire le bout de chemin avec toi. C'est-à-dire, il monte sur la commode, il t'attache, voilà, il s'assure qu'il a la main en feu, puis ouais, il tient un certain nombre, quoi. Donc il tient un toko, il tient, voilà. Bah ben, oui, à la fin, il tient la chaîne toko et il essaie de monter sur la commode. Le cul sur la commode, il essaie de faire le cul sur la commode, le 15. Il a oublié que c'est Dieu qui lui a donné la vie. Ouais, il a oublié qu'il te donne la vie. Automatiquement, c'est Dieu aussi qui l'arrache et donc il finit dans la tombe. Mais déjà, quand il fait le bout de chemin avec Blondin, donc Blondin, il fait la sieste, mais bon, le serpent à sonnette, il t'a jamais vraiment, hein. Il faut que je te raconte une autre, une que j'ai appris en Inde. Chez moi, c'est mon pote Baidaba. Baba Baidaba, lui, il a écrit La Forêt Fantastique, mon gars, pour l'empereur d'Inde à l'époque, et puis après le passage d'Alexandre de Macédonie. C'est-à-dire que, voilà, il y a des connaissances macédoniennes chez Baidaba, et puis là, il connaît quelques petits tours à lui, oui, quelques petits tours de guerre. Bah, Da Vinci, lui, il connaît les canons. Sergio Leone aussi connaît les canons. Regarde, on va le trier, tu vas comprendre. Quand ça commence à tonner. Voilà, bah, ça tonne, mon gars, parce que ça annonce la trompette, qui annonce le jugement. Voilà. C'est les canons, ça. C'est les alchimistes, ils ont dessiné les canons. Tiens, je vais te faire passer des. Les anciens collègues, ils ont eu des inspirations. Voilà, le pont, l'arbre, la pomme, voilà, la salamandre, mon gars, la pêche, les poissons, d'accord, les fiches qui nagent dans la maison des poissons, les socialistes, le fishing. Voilà, mon gars, mais les canons, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il n'y a pas le 8, non, le 8, c'est. Le 8, c'est celui qui a fait le dessin, d'accord. Et puis le 9, c'est celle qui lui donne, c'est la lune qui lui donne, le pinceau, le papyrus. voilà, et puis c'est le grand-père qui fournit les minerais, okay, pour faire
Voilà, c'est la lune qui fournit aussi la pâte pour faire pour faire la glue de la peinture dans le corps. Et puis c'est Mercure qui souffle le vent pour, voilà, quand tu es dans le train, t'apportes les lettres, le mot, le trait, le dessin, le soleil, les formes, ok, les proportions, arrête, Charlot. D'accord. Bon, ben voilà, on n'est pas les mêmes, voilà, on n'a pas les mêmes cultures, hein? Non, non, et puis surtout, on n'est pas cultivés pareil, et puis surtout, nous, voilà, la civilisation, c'est quelque chose qu'on prend très au sérieux. D'accord, et puis la partie de tout le monde, pour nous, là, voilà. Donc, les droits de l'homme, mon gars, plus t'en parles, plus t'as pas. D'accord? Nous, on n'en parle pas, ces choses-là. Nous sommes. Bon. On a marre. Prends-en de la graine. Prends-en de la graine. Prends-en de la graine. Parce que lui, il fait que planter, 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 baisser, maman, passer par là, là, où la belle passe, repasse. Papa, 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 la misine à chaque fois, mon gars. La misine à chaque fois, mon gars. La misine à chaque fois, mon gars. Même quand l'âme n'est pas gênée, il fait en sorte que il sort du roi, ok, il fait le mage. Il fait pchou. Non, la rame, c'est trois chiens. Voilà, mais je dis le trois chiens. Voilà, ben, mon gars, il a juste à dire ça. Mon gars, il s'appelle. Sur sa ligne, c'est juste que le grand maître qui souffle le mot depuis son agouanti, puis la rose, ok, de la fleur de vie de la flamme éternelle, ça oriente, porte sa ligne, il sort le droit chemin. Mon gars, c'est juste ça. La prince de believers. Donc, c'est le belief, potent, potent, le belief potent, et puis voilà. Et puis il y a le poton, le poton, le poton, poton, poton. Ça, c'est le commandeur d'infance du lion, ok? Armé. Jusqu'au dent, mon gars, jusqu'au dent. Oui, oui. Ne l'oublie jamais. Oui, Chinard, tu l'oublies. Tu tomberas dans les oubliettes, mon gars. Tu verras Rocky Balboa, et puis tu verras le Boa, et puis le ciel qui s'ouvre, Jvardi qui descend, chercher la coquille, le Boots, le Harley, la Harley. Voilà, puis tu verras une goutte de mercure tomber, se reformer, se réussir, se répartir, ne jamais être indestructible, même quand il est dans le feu, oui, qui retourne au feu à la fin, d'où il vient, mon gars. Il reviendra, t'inquiète, il y aura 2, 3, 4. Et à chaque fois, il y aura symbolique, archétypale du nombre. Bah voilà, si je reviens au sujet, donc les nombres. Les nombres, j'ai appris qu'en fait, ce sont des gens de caractère, et c'est des personnalités en fait. Ils ont même des défauts des qualités. Ils ont leur chemin, voilà, parce que c'est comme ça qu'en fait, ils s'élancent vers nous depuis l'infini. Bah, déjà, ça, c'est le problème. C'est que seul le Seigneur sait, c'est qu'il a tout dénombré, oui. Et en fait, si tu veux, le nombre, c'est la toile. Si tu veux, c'est à l'image de l'araignée. C'est vraiment à l'image de l'araignée, la fabrique, la structure de la fabrique, les amis. Les frères et les sœurs. Oui, bah oui. C'est comme la tour, ok? Dans le 9-3, right, ou dans le 13. On peut dire. Le tour, d'accord. C'est à l'image du building de Big Bang. Ou de la big de la tour londonienne, dans la bite, ok, sur la bite dans le trou du cul de la Marianneuse, au bonnet d'âne, jusqu'au fond du bouquet. Alright, c'est au fond du tunnel, mon gars. Ouais, eux ils vont chercher le serpent, eux c'est le serpent qui va chercher le serpent, le basilic qui va chercher le ver de terre, hein, sur lequel trône le coq dans la basse. Donc eux ils creusent leur terre, puis les top, mon gars, attention à la cascade. Oui, et puis non mon gars, il y a des top avec des marteaux, avec un œil, c'est l'œil, mon gars, dans le marteau, l'œil, le métamarteau. Et mon gars, non mais enfin je reviens, c'est à l'image en fait de cette fractale, en fait, de cette réalité, cette métaphore qui se cloud et se shape dans toutes les histoires de la Bible, de la Torah, du Coran, de la mythologie, des chamans, de la tradition orale, chez le griot, mes frères, voilà, d'ici et par là, et par là-bas, et dans les autres mondes, tous, genre des. Voilà, des langues différentes, des cryptiques, mais attention, ils reviennent tous, ça c'est pour créer un pont pour revenir vers la vérité, la réalité, la vérité, c'est-à-dire
Ok? The only true reality is experience. Il y a une vérité, c'est-à-dire tu lâches la chose, ça tombe. Ça, c'est la loi. C'est pas ton code, que code de régulation. Ça, le code rouge là. C'est pas une loi, ça. C'est la régulation. D'accord? C'est des règles. Mais ça, c'est pour les cons. Ok? Après, il y a des méta-principes. Ok? Emballés en méta-méta. Marines, voilà, qui tranche et sépare le vrai du faux comme le sabre. Okay? La katana du Hattori Hanzo. Ok? Le métal qui. Okay? Tranche avec Jabaruch. Ok? Voilà, comme le malavé du matin. C'est le malavé du matin, c'est vrai, clair, c'est du rouge. C'est rouge? Oui. C'est, voilà, c'est franc. Et après, de l'autre côté, ça passe la mort, la résurrection. La naissance, la mort, la résurrection. Ça, tout ça, c'est. Clair quand est-ce que ça arrive. Mashriqayn w Maghribayn, mon gars. Le soleil se lève et se couche. Mais il y a aussi deux Mashriqayn w Maghribayn dans l'autre monde. À l'image de terre et dans les ténèbres. Dans les ténèbres, c'est le soleil il arrive au zénith, Dahr. Ok? Là, c'est le Mashriq, ça aussi. C'est parce que tout est clair, là, mon gars. L'ombre disparaît. Et puis à l'autre opposé, ça c'est le Mashriq la noir. Et puis t'as le Maghrib d'Alam. Et puis de l'autre côté, t'as quand le soleil descend dans la nuit, à minuit, les 12 gouttes, là c'est le maximum de l'obscurité. Alors, ça c'est le coucher du soleil dans les ténèbres. Voilà, Mashriq le Maghrib. Attention, le Coran, c'est de la mathématique. Alright. Et ce qui lui fournit le codex, c'est la Torah. Ok, ce qui met l'eau. Dans le pain, c'est la Bible, mon gars, et toutes les Bibles. Toutes elles sont toutes bonnes. Alors, donc, tout a été fait par le Seigneur. Bah, d'ailleurs, tout ça, ça a été fait par le Seigneur. D'ailleurs, la forêt, la montagne et toi aussi, ça a été fait par le Seigneur. Ah, non, pas toi qui fais. Toi, tu penses. Mais toi, tu penses faire aussi. Non, mais non. Tu penses que tu fais des choses. Tu penses que tu cours derrière les trucs. Non, mon gars. Les trucs, elles arrivent à toi. Hein? Toi, tu poses l'intention. Et c'est ça les. Le travail, okay? Le rituel, c'est avec l'intention. Okay? Mais il n'y a que ça, en fait. Tu poses l'intention, tu désires, tu poses l'intention, okay? Tu conceptualises avec le vent. Je ne peux rien faire sans moi. Tu conceptualises avec le vent, ok. Et puis après, tu ritualises avec le corps et puis tu prends avec la main. Tu reçois. Tu tends le coffre pour recevoir les bénédictions que t'amène la iode, la roue qui tourne et qui revient. Si tu fais de la magie, tu triches, oui, tu forces la roue, tu triches, tac, tu rends des trous, ça tourne, ça part, ça revient, oui, et bien ça revient avec aussi des trucs. L'enveloppe, elle revient des enveloppes, une enveloppe avec les bénédictions et une enveloppe avec le prix. Et comme mon gars, ça c'est fois deux, taqalem, ok, oui, taqalem, tu rajoutes du poids. Oui, à l'image de ce que tu as fait, de ce que tu as intentionné, de ta mauvaise intention, il y aura un temps qui revient. C'est tout. L'aïn ou bilaïn. Hammurabi, mon gars, Dieu est juste, oui, oui, il est bon. Donc, pas le connard. D'accord. Réfléchis, pense à ce que tu fais. Donc, les nombres, ce sont des archétypes, ce sont des personnalités, c'est plus que des quantités. Non, c'est d'abord des qualités, oui, ils peuvent, que signifie la quantité aussi, mais non, c'est d'abord des archétypes qui tissent la fabrique, c'est la toile de l'avenir. La toile de l'avenir. Et puis, il y a ce qui sort de nulle part, du neuf, l'extrémité de l'ombre, et qui vient s'enrouler autour. Il y a les roues qui tournent et tissent. Les araignées, ça, c'est. Tu vois, c'est invisible, ça. Les tisseuses qui tissent. Voilà, au-dessus des nombres. Ça, c'est juste le flux subtil, ça, c'est juste le souffle de la vie, ça, c'est juste le fleuve de la vie. Al-Nahr. Le fleuve qui arrive du jardin d'Éden, le fleuve qui arrive, qui est en rose et qui se multiplie en plusieurs. Après, il faut lire la Bible pour comprendre aussi ça. Et moi, tu peux le voir, ça. C'est-à-dire, c'est pour monter, visiter ces choses, en fait, par un voyage intérieur. Tu vas te rendre compte que, à l'image de ici bas, dans l'illusion des ombres, en toi, dans la lumière intérieure, c'est la même lumière. Hein. Celle que tu vois à l'extérieur, tu la vois en toi, et quand tu fermes les yeux, tu imagines, tu vois aussi de la lumière, tu fais venir l'image dans l'esprit. Tu baignes dans un flux, arrête, et tu dragues pour se mettre sur des aiguillages, en fait, comme si tu es sur une petite péniche avec un réseau de rivières, et puis tu navigues sur les fleuves,
puis le fleuve de la connaissance, et puis le fleuve de la vie, puis le fleuve de ta famille, de tes origines, et puis le fleuve du sang. Et puis il y a les embranchements, puis il y a l'arbre de vie. Bah, tu peux partir, aller par exemple visiter le musée de Lyon, Lyon, à Confluence, à Lyon, oui, là où il y a les frères Lumière, à Lyon, à Confluence, ok, à la convergence du fleuve, à la, au delta, à l'œil du fleuve, ok, qui passe par Lyon, Confluence, musée, tu rentres, tu regardes, il y a l'arbre de vie dans une bouteille de verre. Les embranchements de la, des espèces, la forêt fantastique de Baïdara. Et puis lui te dit, bah voilà, ça c'est aussi le, l'arbre, et puis il te dit, c'est le cerveau aussi à l'intérieur, elle est comme ça. Parce que, ce que tu nourris comme comportement, comme esprit, comme graine, comme nun, nun, c'est la lettre pour dire la graine. Puis la graine, c'est un concept, quoi. C'est l'objet graine dans lequel, à partir duquel descend la graine que tu plantes pour l'arbre et la graine cognitive. L'idée, le paradigme mental que tu nourris par les eaux de la télé, la propagande et le harbilotisme. Voilà, jusqu'au cancer, c'est-à-dire le homard m'a tué. Le homard sanguinant, non. Voilà. La révolte de la lune. Bon gars, non, tu fais pas le déserteur, l'Harvey là. Ah non, mais il y a des gens qui vont comprendre. Non, 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 la France, c'est investissant un cran, la maman, ils ne comprennent pas. Pas qu'il faut être là, les flics, là-bas, là, les porcs. Pas tous, mais voilà, la plupart, d'accord. Et puis les saints ne font pas les. C'est des porcs, encore derrière, ils voient ce qu'ils sont. Et puis ils viennent t'expliquer le droit de l'homme. Non, 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 on va les arrêter, mais on va expliquer qu'attention. Ok? Le Big Bang, arrête. Arrête la tour, elle est dans le trou du cul, les fissures, mon gars, ça pue la pisse. Ok? C'est les fissures, voilà, elles vont jusqu'à ton trou du cul, elles passent par la demeure. Ok? De Macron, elle fait le tour, elle fait ça. Les tisseuses, elles ont, voilà, réseau graphié, tout là, les trous du cul, waouh, c'est juste pour les un string, c'est à l'image du trimtab, le papillon qui souffle la, voilà, rase, la, c'est awe-inspiring, c'est ça, si tu veux, le coup de baguette magique de Dieu, le tchac, c'est pas que... Vous pouvez résoudre tout ça, on a un coup de baguette magique et tout va bien maintenant et on va restaurer la terre et on maintient quand même la famine et tout, la taille, le commerce, et on revient à l'argent, et moi ça va fluer, juste toc, oui. Quand je te dis, croque pas la pomme. Mais oui, c'était con, c'est pour toi. Pas mal, c'est un fou, moi. Mais voilà, je connais aussi, j'ai créé aussi la partie et puis chaque fois on commence, et puis qu'Allah se fasse à la main, et puis qu'Allah se fasse. Comme ça là, après Kalla. Ok. Je te style, moi. Les généraux que je prends au. D'accord. Donc les nombres, ce sont des archétypes. Il faut les contempler. Et c'est une spirale. C'est une spirale. Ok. Mais donc c'est dans des cercles. Ils bougent en cercle, en fait. Ils créent un réseau. Et puis tu viens tisser par-dessus, en fait, la réalité. Okay. La lune et le soleil dansent dessus, et les étoiles, elles tissent, ces tisseuses, elles jouent, okay, de la musique. C'est la comédie divine, j'ai dit quand je suis monté. Mais après, il y a le noyau dans les ténèbres, dans le noir, ça c'est Kronos qui fait tourner le cercle. Et la cloque cosmique, en fait, c'est la machine, c'est une machine. Hein. C'est vraiment extraterrestrial, je te dis. Je sais bien quoi. Voilà, mais c'est vraiment extraterrestrial ce que j'ai vu. J'ai vu du métal rayon, non? Une machinerie, vraiment une machinerie. Des roues, des machins, des mamans, des billets, une boîte à vitesse, toute une pignonnerie et symbolisée, et symbolique, mon gars. C'est-à-dire, c'est le cycle 66, c'est l'arbre de vie dans la pignonnerie qui fait tourner le concept du temps, en fait. Et de l'espace, et des cycles. C'est comme disait Newton, c'est le cosmos, c'est hermetically sealed clock, oui, une montre, une tacante hermétiquement fermée. Mais il y a un engrenage, un système, mais il y a une symbolique, c'est-à-dire des cycles.
Ben, avec 25, là, la précession, il y a un gyroscope, il y a une stabilisation, il y a le magnétisme. C'est du métal rayonnant, d'accord, c'est magnétique. C'est rayonnant, il y a de la lumière, ça génère de la lumière, puis ça transmet, puis c'est rayonnant, mon gars. Si tu vas pas, tu vas avec ton esprit, tu vas pas avec ton corps, mon gars, tu vas avec ton cerveau là-bas. Enfin, on va avec ton esprit, tu voyages là-bas. Sors de toi, tu voyages là-bas. Il faut comprendre Mohammed, alayhi salam, comment Pegasus, et comprendre aussi les échelles de Jacob, comment c'est comprendre ce que c'est que ce voyage, le kingdom of heaven within la clé, tout ça, tu comprends ça. Pour ça, il faut transcender un certain nombre de beaucoup de choses que les westerners, ils ont du mal, hein, de transcender de ça. Ali, c'est la spiral down, mon gars. Donc, mais ils sont en train de toucher le fond, c'est ce qui se passe en fait. Ils ne comprennent plus que des lois, la guerre nucléaire et le corona et les plagues et les pestilences qui vont commencer à descendre et s'accélérer. Les maladies, il y aura beaucoup de maladies. Qui va arriver à l'échelle planétaire, d'accord, avec des proportions bibliques. Il y aura du virus qui va arriver. Hein? Dans les 10, 20 années à venir, la famine. Les guerres nucléaires, les tensions, voilà, l'économie, le racisme, allez, l'immigration, de plus en plus. Ça va être un problème parce que l'Afrique va pratiquement doubler sa population. Doubler, je dirais, peut-être doubler sa population en moins de 20 ans, 30 ans. Et ça va être le carnage, ça. Alors voilà, donc non. Donc, je reviens, stopper ça. Je vais vous expliquer les crop circles. Parce que c'est moi le vent qui monte avec le show qui tag les crocs. C'est moi le manga. Attention. Il y a des lois, il y a des euros, il y a des 369 technologies. D'accord ? Donc, ils comprennent ça, 369 ? Ils comprennent 3960. Donc, moi, 369, 908. Faut que tu me dis, oui, je mange des frites, ouais. Je comprends le 144, faut que tu comprennes le 9, faut que tu me dis le 66, faut que tu me dis le 666. Le 86 400, le 25 920, le 12, le 24, et puis les notes de musique, hein. Et puis la fréquence, c'est 432. Voilà, tu sais que c'est engrenage, quand est-ce que ça fait des cycles et ça repart et ça relance, les 28 mentions de la lune, le zodiac, 360 division du cercle, le 60 fois 60, ok, le degré d'arc, le mile nautique, ok, le rayon de la terre, le rayon de la lune, le rayon solaire, les distances entre eux, l'explique. Oui, l'éclipse. Ce qui t'explique en fait, c'est ça l'unifiant. Ça signifie la tête et la queue du dragon, mon gars. La symbolique, elle est dans la. Elle est sur la. La symbolique, elle est sur la. La symbolique, elle est sur le torse du Kawada Dragonis, mon gars. Elle est sur le serpent du Jamal Tna. Comprends pas toi, le serpent, comment c'est. Le charmeur du serpent, c'est ça, sur le serpent. Déjà, pas de sexe, lui. Il y a deux. D'accord? Pourquoi ? Parce qu'elle fait une transaction avec le diable. Hein. Le carrefour, il a dit, moi je veux voir un nain. Moi je veux la coupe. Non. Le baiser de la mort, et je veux. Ben, qu'est-ce que je vais être prêt à payer ? Je vais pas être prêt à payer, sinon tu vas romper, mon gars, toute ta vie, tu vas romper. Et puis tu vas devenir une bitch qui marche. Tu vas devenir un sacré putain de bitch qui marche. Voilà, tu ne pourras pas te lever, tu voudras faire ça quand tu ne veux pas manger, tu deviendras une blabite. Oui, tu deviendras une queue, il dit. Voilà, tu deviens la queue, voilà, tu auras le venin carrément et tu auras la langue qui sort et se divisera en deux. Voilà, et puis tu veux ça, oui. Et ben voilà. Et puis il y a le vent parmi les serpents, ça c'est juste la sonnette. Et puis lui, il a juste avalé sa queue. Il a mis une cloche pour se rappeler, voilà, le moment. Voilà. Le homard ou le cancer, lui, il va chercher un petit trou à la Merkel dans son manteau, avec ses pinces, et il va se cacher pour refaire sa carapace. Le français, il va chercher à monter sur le port, sur le cul, dans la basse-cour, jusqu'à se faire tirer dessus par un gabouré qui passe, ou se faire sabrer par une épée de guillotineuse à la Voltron. Voilà. Un soral qui sort, qui va dans la forêt, hanter, je ramenais l'épée d'Excalibur, voilà. Parce que lui, la Vierge, il a une relation particulière avec la Vierge. C'est le protecteur de la. Attention. Voilà, n'importe quoi. Donc,
puis voilà, puis Baba aussi, c'est que lui, c'est pas encore ce que c'est qu'un héron dans le bluesman. Ça s'appelle blues, la roi blues, mon gars, le bis, et prendre les routes, mon gars, et ça c'est juste Johnny Walker, mon gars. Faire un clown dans le bis. L'héron, le fou du temps, le héron de la case d'héron. La carte sans nombre, l'innombrable, le chaos, le chemin du fou vers le Seigneur. Regarde, c'est le chemin, oui, le plus proche du Seigneur, oui, mais c'est le chemin le plus long en même temps. Plus proche, oui, mais plus long. Oui, c'est haut dans la route de vie, oui. Le gars, il a perdu son oiseau, comme on dit, non, Patarol Frach. Frach, tar, il ne reste plus que l'œuf dans le crâne. Et puis, comment, depuis pas, c'est ce qu'il dit, gars. Il monte carrément vers le 15, après il descend le bras. La yacht, carrément, il se la fout, carrément, il se la fait saucissonner sur le plateau, mon gars. Puis là, il a fait une cagoule, mon gars, il met la burqa, il fait un truc, il dit, mais que ça colle même pas avec le truc. D'accord, c'est noir et blanc, c'est classe, c'est un black and white, et lui, il arrive comme ça, quand c'est merdique. Moitié palestineux, moitié je le truc sur la merde qu'il a chien sur le plateau de Fogel, ok, c'est une fractal. Il nous a vraiment une petite, comme la fiole qu'a pris la Colin Powell. Il a dit à sa dame, et voilà ce qu'on a trouvé. Il a trouvé l'orbiline dans sa c'est ça, plumard. Et pareil, il arrive, il a fait ce sketch là, c'est la petite fiole de l'orbiline. Oui, mais ce mot d'orbiline, c'est un traumatisme d'enfance. Icter, ça te donne de la norbiline. Oui, j'ai eu ça quand j'étais petit. Oui, j'étais à hospitalisé à l'hôpital Saint-Georges. Mon père a pleuré. Ben oui, mon gars. Est-ce qu'il y a une orange, je fais un charme. Dis-le à l'intérieur. Ah. Ah. Soukran à quoi. Et donc, voilà. Qu'est-ce que vous en avez? On en était. Ça va, vous avez passé le bon moment? Ouais, j'espère. Hein. Si tu passes pas un bon moment, tu dois être parti depuis longtemps, mon gars. Voilà, je reviens. Je vais aller chercher ma pizza. Parce que moi, j'ai fait du sketch, juste ça, c'est ma vie, moi, le sketch. Oui, le vent, tu sais. Comme il doit maîtriser sa colère, mon gars, le vent. C'est pas un tableau, tu vas voir que je sais plus qui a fait ça, Durer. Lui, il a pris mes initiales. Et moi, j'ai pris ses initiales aussi. Un frère. Oh putain. Je sais pas s'il aurait eu le temps de passer du temps avec moi. Hein? Qu'est-ce que ça passe? Ah ben on a de l'éternité. On a de l'éternité. De l'éternité. Fiole s'appelle de l'éternité. De notre côté. Et puis on compose avec, mon gars. Oui. Parce que pour triompher du lent, de la lassitude. D'accord? Et, transmettait la couronne de Kamel le vampire de Durer et la chauve-souris sur la mélancolie. Il faut aimer la connaissance car c'est la chose, la bénédiction qu'a créé le Seigneur qui est infinie, qui te donne du sens dans ta vie autrement. Tu as été béni par l'éternité, si tu n'as pas apprécié la vie, tu ne gagneras jamais la clé de la vie éternelle. Et tu ne comprendras jamais le serpent, ni le scorpion. Parce que lui, voilà, il porte le venin dans sa bouche sans s'empoisonner lui-même et puis il se résurrecte plusieurs fois. Il retourne, il boit de la coupe de la mort pour ensuite revenir et se faire résurrecter dans la lumière, hein, de retour dans la vie. Pour ensuite repartir de l'autre côté pour revenir et puis lui, donc en fait, il tourne comme une choupie. Oui. Ici et là-bas, et donc c'est un gyroscope, moi, pour moi. Il marche comme un gyroscope. Il marche comme le soleil. Oui. Oui. Il fait une sinusoïde. Oui. Donc, attention, 28, ça c'est les mentions.
Donc voilà, prendre la symbolique des nombres et les tisseuses. Et en fait, c'est toi qui tisses. Donc, l'intelligence cosmique, c'est le mind of God. Et ça, si tu deviens un avec ça, c'est-à-dire que tu travailles pour le plan du un, c'est-à-dire notre Seigneur qui survolait les cieux au-dessus des cieux. La volonté déjà gravée dans le temps, elle court. Elle devient, d'accord, la fleur, de plus en plus belle jusqu'à devenir rose. Ok. Et ça, c'est ce qui annonce le rouge, et c'est toujours qui annonce voilà. La fête. Voilà. Et voilà.